croit que c'est mieux comme nous. C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison, qui rentre la caille nous là. Moi, je dis nous merci parce que nous avons suivi, parce que nous faisons confiance. Ok? Je dis à là, moi, je vais faire une invention pour nous. Moi, je vais faire une crémasse de crème glacée. Oui, même crémasse là, c'est du même cap crème glacée, je vais faire devant nous là. Moi, je dis nous, tous nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. C'est chaîne ou liée, c'est chaîne moins liée. Ces chaînes tout haïtien liées sur YouTube là. Nous pas oublier moi-même avec nous-mêmes nos objectifs pour nous atteindre demi-million abonnés en espace de 5 à 6 ans. Parce que grand pile haïtien qui à travers le monde qui suivent nous, moi voulais pour nous bailler chaîne nous en importance. OK. Moi pas les trop qu'on est à main invention nous pas commencer là crème glacée de crémasse là. En allez. Ok? Pour nous commencer, nous prenons tous les ingrédients, ces mêmes ingrédients, nous allons faire crémasse déjà, sauf que nous avons des trois petits détails qui rentrent là-dedans. La recette de base, nous avons nous là, nous avons besoin 4 blancs œufs. Ok? Nous allons monter 4 blancs œufs en neige. Nous avons besoin d'une tasse de lait de coco. Ça, c'est le lait de coco emboîté. Ou bien vous allez prendre coco au gras et vous faites lait là, ou bien acheter lait de coco emboîté parce que tout le monde qui, majorité monde qui est dans le pays étranger, souvent ils vous demandent est-ce que vous avez fait la veille? Oui, nous avons fait la veille. Qu'on a besoin d'une tasse de sucre. Moi, je mettais directement une tasse de sucre là, dans la tasse de jus lait de coco. Moi, je prends le brasser, moi, je fais le fond, ok? Ok. Une fois que le sucre là bien dissous, non, lait de coco, moi mettez le de côté. Qu'on y a là, moi pral monter blanzea en neige. Ok? Qu'on n'a pas fait à la main, nous connaissons nous café en crème glacée à la main. Nous café à la main aussi, mais si que vous fait une crémasse de crème glacée, idéalement, moi souhaite vous pour ta gagner un petit fouet demain pour nous faire. Ok? Parce que si nous fait à la main, la vie est très difficile pour nous pour lorsque nous allons mettre l'alcool là. Nous prenons le ok? On a le fait, on va monter blanc en neige. Ok, là maintenant c'est prêt, regarde. Nous cachons à virer le face en bas, c'est prêt, ok? Nous, ok, c'est prêt. Qu'on a blanc yeux ça, moi mettez le de côté. Qu'on a moins gain blanc yeux de côté, plus moins gain sucre moins qui est en dilué avec lait de coco. Ok, qu'on a là, on a l'autre bol. Moi, vider une tasse de lait condensé. Et maintenant, moi, verser, moi, doubler lait, ça nous a dit lait écrémé, ok? Lait écrémé, c'est les mêmes, nous, les crèmes fouettées. Lait, nous, l'acheter, la marque crème fouettée. Mais sauf que les pas fouettées, les mêmes, ok? Nous, doubler, moi, mettez deux tasses de crème fouettée. Quand il y a là, moi, pral commencer monter. Ok, après 3 minutes, 2 minutes comme ça, je vais commencer à monter lait condensé avec lait écrémé. Quand y a là, je vais commencer à verser, je vais mettre lait de coco tranquillement. Ok, je vais mettre tout d'un coup parce que qu'on a lui-même li très lourd. Pas oublier que la crème fouettée qui ça le fait, c'est lui-même qui pourra le monter. Dès lait, tu pourras le monter ensemble comme si nous avions une sorte de ballon légèreté comme une éponge. Mais plus que ça, c'est l'élément lourd que m'a mis, qu'on a mis graduellement pour qu'il soit capable de bien incorporer. Voilà, une fois que m'a mis le lait de coco, qu'on a la qui continue qui fait le monter encore pour toute lait de coco bien incorporer ensemble avec des laitiers. Ok, après 5 minutes encore, vous gardez elle bien montée, bien montée, qu'on a toujours dans le liquide, toujours. Ok, moi mettez 2 cuillères essence vanille, c'est brun, mettez, vous pouvez mettre blanc, n'importe quelle couleur vous voulez. Ok, toujours graduellement, parce que qu'on a là, c'est toujours les éléments lourds que vous mettez. Vous avez dit pendant que vous brassez, vous mettez pour ne pas tomber au fond du bol.
moi fin mettez essence là qu'on y a gardé ça moi le fait qu'on y a là moi le mettez yon tasse alcool mais ou te parce que moi même moi pas boire un peu d'alcool ok mais ou même sous l'eau te doit mettre deux tasses d'alcool mais quelle c'était une tasse d'alcool quelle était une tasse et demi quelle était deux tasses ou a toujours mettre le même genre toujours graduellement sous vide tout d'un coup il va le plonger en bas qu'on a là qu'on va faire figer crémeux qu'on a là on va le mettre une tasse de d'alcool mais c'est rhum babanco qui met ok. Ok, après 5 minutes comme ça, tout ingrédient lourd étant bien monté dans le mélange moins, qu'on a là, on va mettre quelques éléments secs. Là, on va mettre cannelle dans yon crémasse comme ça. On a mettre yon cuillère de cannelle là-dedans. Si vous même vlog, on va mettre une cuillère de muscade aussi. Là, on pas besoin de brasser là, parce que ça aussi sont des produits légers. Qu'on a là, on va mettre zeste de citron là-dedans aussi, parce que mettez une cuillère de zeste de citron, ok? Ok. Pour que ça, yon même, pour que ça, la crème glacée, crème glacée de crème à moi, mettez produit sec ça, c'est parce que l'eau pral ou pral brel, pas grand yon pral chita en bas, tasse là, ok? Ça veut dire ça, lui-même, il pral incorporer, il pral tellement bien mélanger là-dedans, l'eau pral prendre la crème glacée, même moi, pas pour elle, ok? Ok, maintenant c'est prêt. Qu'on a une fois que c'est prêt, qu'on a là, nous gagnons mélange ça devant nous là. C'est lui-même qui est censé crémasse. À la place que nous te mettons lait, nous mettons lait fouetté. Ok, il y a ça lait et crémé lorsqu'on va l'acheter. Qu'on a blanc zéa, qu'on a là, venu avec Marise là. Marise là, c'est une spatule ça. Il y a les langues de chat aussi. Qu'on a mal mettre blanc zéa là-dedans. Je vais mettre tout d'un coup. Ok, m'a mettre graduellement. Qu'on a la brasser. Et reste là. T'en fais déjà dans le congélateur, nous voilà mon bagage. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau là. C'est bon aussi là. Ça va grand corps, c'est pas fait ça. Ok. Et qu'on y a là. C'est une belle crème glacée ça. Qu'on a la, ma vaisselle là. Bon là. Ok. C'est très important pour nous toujours bien boucher crème glacée nous. Parce que si nous pas boucher, c'est là le pas bon. Et nous pas mettre dans le congélateur. Deux jours. Une journée. Quatre heures de temps. Là, qui okay. Mes crème glacée, je l'ai en fait déjà depuis hier soir. Je l'ai fait non tout petit parce que nous pas tellement boire l'alcool la caille. Et voilà. Ça c'est crème glacée qu'on a. Regardez pour nous alors, j'aime pas le prendre là, j'en la passé bien fluide. Regarde ça. Regarde comment elle a bien fluide. Regarde ça. Tiens. Ça c'est du bon, c'est de la bonne crème glacée, OK? Qu'on a là, ouais, c'est vraiment beau. Qu'on a là le fait que c'est moi qui fait, c'est une crème glacée crémasse qu'on a là, on va faire un petit montage avec vous nous, OK? Moi, j'ai un petit pain de maïs moulé que vous me faites déjà, je vais me déposer sur la chaîne, je vais vous montrer. Ça, c'est pain maïs moulé, elle finit comme ça. Quand on a fait un petit montage avec elle, si toutefois nous-mêmes, nous avons un restaurant, nous voulons faire un bagage comme ça pour vraiment un dessert vraiment typiquement haïtien, qu'on a gardé, même gâteau, qu'on a ça me fait couper petit en bas. Ok, je vais retirer les couleurs colorées en bas et puis il vient comme ça. Qu'on a là, je vais le façonner. Moi fais un petit coulis de mangue, ok? Et puis avec crème glacée, et puis avec un petit mangue, moi je vais le mettre là-dedans vraiment créole, créole 100%, ok? Qu'on a, va commencer. C'est un petit coulis à me. Yon crème glacée de crémasse. Yon pain de maïs moulin, typiquement haïtien, ok? Ça, c'est invention pas nous. JFL Cuisine Créole. Invention pour nous tous qui suivent moi, nous tous qui viennent fierté nous. Si nous aimons, nous devons partager, pas oublier like, ok? Lorsque nous abonnez comme ça, pesez sur cette cloche là.
pour leur qu'ils mettent une nouvelle vidéo dehors pour qu'ils puissent tout rentrer dans la canoë. Moi, je dis nous merci pour bouche à l'oreille, nous fait pour moi. Pas oublier pour notre travail, pour nous aller chercher ensemble demi-million d'abonnés pour notre fierté. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison qui était entré dans la canoë.